Bataille Sofia Martelly, Esther Antoine prend une autre dimension. Deuxième phase. Et phase, mes amis, c'est phase qui puissante dure. Un groupe avocat dans barreau Port-au-Prince, bien puissant, bien expérimenté, a décidé de mettre pied à terre pour assister Esther Antoine. Mais est-ce que nous te connaissons, Esther Antoine, c'est Moun Renal Luberus. Déjà là, nous déjà ouais qui bataille. Bataille, ça après lié. Et gon l'autre nèg en dedans politique là, qui bien puissant, qui décide lui-même tout, lui mettre pied à terre. Donc, Bois Marie, clan PHDK, clan Matelian, gen bagay nan men yo. Donc, nous besoin de toute information yo, qui sa pral vini, comment attaque yo commence à fait. Rete là, nous un petit moment, toute information yo pral vini jwenn nou. Bien. Ministre Affaires étrangères, nouveau ministre Affaires étrangères, qui remplace Claude Joseph, Jean Généus, annoncé en bonne nouvelle là. Puisque nous connaissons pays Turquie, te bay date limite jusqu'à 24 décembre pour yo voyer dossier Samir Randal là bayo dossier allé. Et pays la Turquie a annoncé que procédure yo tanmè. Donc si procédure tanmè, là g explication pour m'ba nou, g explication pour m'pote pour nous en façon pour nous connait comment nous pral camper dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue une autre fois sur Chanel Polan. Je vous rappelle que dans l'émission Mon Éditorial, c'est un grand plaisir. Je dis là, quelques jours encore pour nous célébrer Noël. Là. Et je vous dis bienvenue. Et m'a profité commencer adresser nos souhaits joyeux Noël et santé prospérité continuer partager continuer et kembe même plaisir là même envie de vivre là parce que pas gain fête si pas gain sourire si pas gain partage si pas gain réconciliation si pas gain entente si pas gain amitié donc c'est des points essentiels pendant m'a parler de points essentiels là. Pas oublier mes amis, pas oublier projet là, objectif là, lila, c'est aider 100 femmes. Parce que moi-même connais ces femmes plus qu'on fait manger. Donc c'est 100 femmes nous pral porter sous jour mon 1er janvier à la caillou, dans chaudière yo. Donc n'importe gens ça écoute que coûte ou même qui ca aider, ou même qui ca venir participer avec dans projet ça pour nous mettre on sourire pour nous mettre un petit minimum de contentement de bonheur dans mitan sans famille la caille sans femme dans chaudière sans femme n'a fait déjà il y a plusieurs amis eux même qui participent qui partent qui répondent présent avec projet a gagne qui dit y a bail 4 familles gagne qui dit y a bail 5 familles gagne qui dit 2 monde gagne qui dit c'est un seul monde parce que objectif là est clair c'est 100 familles pour aider à raison de $500 2500 good. On a dit que 2500 goud lan wèl trop piti, mais 2500 goud lan di wap bayon on fami possibilité pour le fond ti soupe, acheter un ti jou, un ti chou, un ti spaghetti, un ti macaroni, un ti viande pour le préparer soupe lan, l'a content. Donc ou même qui vle aider ou même qui ka aider, soit aider 2 moun, soit aider 5 moun, soit aider 10 moun, soit aider 100 moun nan tout, m'ap dou bienvini, numéro 1 c'est 38 96 38 19, li pa changé. Nous fèl déjà, nous kon fèl déjà, n'ap continuer pote solidarité avec compatriotes frères sœurs nou yo ka vive en dedans pays. Nous pralé là, nous pral déraper mission. An ali. Hey! Aucun problème, bang? Bagay la piti. Rete la pale. Zest of Moringa pour tes solutions. 15 outils, c'est pour mal pour en même. Ça pral permet de rallonger. Bal longueur vle, et puis sur vle, ou moun vle. Dans 90 jours seulement, solution non mais pardon yam. Et ou même qu'a fait rover. Ah, madame n'a pas avlo nan kay la. Kout ki lot fait pou pou. Ou fait bek a te? Eh bien, pas inquiète, solution là. Gimbon, yon traitement 100% naturel. Pendant 90 jours, tout bek a te fini. Zafo réglé nan bon ti mami. Tout garçon ka utilise. Entre 15 à 75 ans. Ou pas besoin de peur.
produits 100% naturels, yo testé et approuvé. Relez dans 514-886-9776 ou bien dans 37-55-46-06. Ou bien tout, passez sur website là, www.zestofmoringa.com. Suspend plein, Zest of Moringa, c'est solution. Après arrestation, Sami Randall dans pays Turquie, eh bien t'es un paquet bataille juridique qui t'a fait pour te extrader Sami Randall voyé en Haïti. N'a pas songé à l'époque Claude Joseph était encore ministre des Affaires étrangères, qui démarche qui t'est entreprendre, qui quantité et contact qui t'a fait en façon pour extradition t'est abouti. Vu que gè des documents officiels que Turquie t'est exigé gouvernement haïtien pour yoté ka extrader Sami Randall, pour yoté ka au moins gagner certitude sur culpabilité Sami Randall, pour au moins te gagner conviction sous présomption culpabilité Sami Randall gagner sous dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, nous te wè ki quantité parole en pile, ki quantité tolé que te fait jusqu'à ce que le Claude Joseph te mandé Nations Unies pour prendre dossier assassinat Jovenel Moïse en charge pour enquêter, pour te gagner des instances internationales qui te vini mener enquête, etc. Nous, ouais, Premier ministre Ariel Henry, qui quantité pied te voyé, qui quantité et barrage qui te gagné jusqu'à ce que, et ou pas jamais entendre parler de cause Nations Unies, cause ONU dans dossier assassinat Jovenel Moïse. Eh bien, finalement, yo changé Claude Joseph, yo retiré le tête ministère Affaires étrangères. Là, maintenant, c'est Jean Généus qui c'est actuel chancelier haïtien, actuel ministre Affaires étrangères, qui prend responsabilité pour confirmer nouvelle là que gouvernement haïtien yo voyé tout document pays Turquie qui t'est exigé yo dans cas d'extradition Sami Randall. Là, yo voyé yo aller non seulement ça tout, yo traduit yo en langue turque en façon pour yo comprendre tout ça qui yo. Maintenant, est-ce que nous comprenons et déclaration ça pour une vérité absolue? Étant donné le soutien dans bouchon autorité et non seulement ça tout et pays Turquie eux même yo confirmé un ensemble de procédures qui t'emmen yo analyser papier yo commencer enquêter etc. pour yo connaître est-ce que oui ou non y a extradé Sami Randall. Mais quand il y a un problème qui posé dans cause documents ça dans cause extradition, c'est que je dis là nous en phase côté que Sami Randall il a des avocats extrêmement puissants. Sami Randall il gagne et il nèg yo gen l'argent, il fait l'argent en dedans pays, son paquet nèg qui gagne franchise, son paquet nèg qui gagne et qui gagne l'argent contrat nan men yo ka fait l'argent bien longtemps, nèg sa yo nous considérer comme des oligarques corrompus, c'est eux même qui bail système nan jarret etc. Donc kounya qui ça vinn gagne. On pral arriver dans une situation côté que malgré gouvernement haïtien, il voye document, il te ka voye tout document yo exige yo et pour pral wè que ou non situation avocat Sami Randall li même yo pral fè bataille juridique, yo pral fè bataille juridique en façon pour éviter que Sami Randall li retourne en Haïti. Et surtout lè ou pral considérer quelques hypothèses, lè ou prend Gilbert Dragon qui mouri dans pénitencier national dans des conditions douteuses, lè ou prend différents et mercenaires colombiens, ça en colombien yo même qui ferme dans pénitencier, qui a bail rapport comme quoi yo même yo innocent, qui gen la dan yo maladie, yo gen tout problème en dedans prison etc. Donc yo pral jouer tout quatre ça sous table en façon pour empêcher à ce que Sami Randall retourne. Et nous connaît gen nèg en dedans pays yan, gen nèg nan clan PHTK, gen nèg nan clan Ariel Henry, gen nèg nan clan opposition qui pas gen aucun intérêt pour Sami Randall ta retourner là. Et comme si nous voulons, même le procédure que pays Turc a mené en là, il a abouti, il a débouché avec extradition Sami Randall, a toujours gon côté dans procédure qui pral mener dans cabinet d'instruction pour yo bâcler instruction dossier en façon pas jamais connait vérité ou pas jamais connait exactement qui ça Sami Randall gen pour avec dossier ça etc. Pour qui ça parce que des hommes puissants comme monsieur Damzaï en dedans pays, des hommes puissants comme oligarques corrompus ça en dedans pays, on dirait que la justice pas faite pour eux.
On dirait que vous avez fait ça, vous voulez, en toute impunité, tout le monde a prêté, croisé bras, vous gardez. Mais c'est là pour les Haïtiens qui viennent jouer partition, c'est là pour nous commencer à impliquer nous. Pour qui ça? Il y a des procédures juridiques qui t'emmènent, ni par bon côté Haïti, qui t'emmènent ni par bon côté pays Turquie. Ok? Donc, si procédure ça, yo équivalent, procédure yo égal à égal, pas de doute sur papier qui ba yo, pas de doute sur document qui ba yo, document yo justifié, document yo certifié. Maintenant, on va questionner bonne volonté autorité turque pour yo, est-ce que autorité ça yo ka fè yo confiance vraiment? Est-ce que yo pral fè passer respect souveraineté haïtien? Est-ce que yo pral fè passer respect mémoire président qui a assassiné la Kaili par un groupe assassin et youn nan présumé auteur intellectuel yo nou arrêté? Est-ce que kounye nous pral baser nous sur document qui nan men nou yo tout bon pour nous ta extrader en façon pour ta venir répondre question la justice. Maintenant, gon question de discrétion, discrétion pays Turquie. Est-ce que yo pral permettre est-ce que Sami Randal li retourner en Haïti? Donc gouvernement haïtien a toujours bouqué bay document. Jean Généreux a toujours dit que c'est une bonne nouvelle pour Haïti, c'est une bonne nouvelle et pour l'avancement du dossier de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Mais ça ne s'arrête pas là, ça ne doit pas s'arrêter là, puisque aujourd'hui, là, nèg sa yo ki sous pouvoir, yo pa gen aucune intention pour yo permettre que vérité en li prenne la rue. Yo pa gen aucune intention. Jovenel Moïse, si mouri, li mouri. Yo assassiné, ça s'arrête là. Quand y a moun ki dwe kriye, yo kriye déjà. Moun ki dwe indiye, yo indiye déjà. Si nous besoin justice kounye, si nous besoin justice, nous compte tout moun ki impliqué. Si nous besoin justice pour Jovenel Moïse, nous compte tout moun ki indexé. Justice ça c'est pas une justice divine, justice ça c'est pas une justice que système judiciaire nous ka bay tout, c'est pas une justice que tribunal haïtien ka prononcé. Parce que nous connaissons qui corruption qui a gangrené pouvoir judiciaire. Nous connaissons qui corruption qui a gangrené juge, qui a gangrené commissaire du gouvernement. Yo. Donc là, il faut que nous assurions nous présents. Nous présents pour nous chercher justice. Je vais expliquer nous un bagage qui est simple. Nous pensons aujourd'hui là, nous avons eu tout le temps devant pour planifier l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous avons eu tout l'argent, nous avons eu toute logistique pour assassiner un président en fonction. Nous pensons que nous pensons aujourd'hui là, il suffit un juge d'instruction qui a enquêté et un juge qui prend pour le juger, condamner, etc. Nous pensons que c'est facile pour justice pour Jovenel Moïse. Jamais. Nous arrivons au stade côté que tout nèg, tout nous qui impliqué, nous qui cité, nous connaissons, nous identifions. Nous identifions. Maintenant, qui ça a fait, qui ça doit faire, qui ça qui supposé fait. C'est pas en question de la justice divine, c'est pas en question d'attendre bon Dieu, c'est pas en question et Jovenel te mérité. Donc, il n'y a pas de monde qui méritait sacrifier Jovenel dans le pays. Même pire assassin, pire politicien, pire voleur, il n'y a pas mérité. Ça parce que. Moi-même, jusqu'à présent, m'ai traumatisé. Gardez photo de moun, yo déchiqueté, yo mutilé, yo coupé, yo maltraité comme ça, non. C'est inacceptable. Jamais. Et leur pensée, mettez sous lui le président de la République, premier citoyen payant, moun qui t'a censé pi bien protéger, pi bien sécuriser, et pour pral tande, ou praloué, c'est sécurité, c'est héritage PHT qui a été quitté pour lui, c'est eux-mêmes qui la cause, lui perdu la ville mal, c'est eux-mêmes qui assassiné comme ça. Donc nous-mêmes comme peuple, nous-mêmes comme haïtiens, nous-mêmes comme population, donc nous acceptons ça, nous tolérons ça, nous prenons ça, nous continuons avec pratique ça, la passivité, non, non, ce n'est pas possible. Donc je dis en là, nous très méfiants par rapport avec gouvernement rien en rien. Moins très méfiants par rapport avec gouvernement de facto ça qui pas pris lui en merde là. Si gè méfiance et d'ailleurs nèg yo travail pour nous méfiant. Nèg yo travail pour nous pas faire confiance parce que pas gè aucune garantie, pas gè rien yo régler dans quoi que ce soit comme domaine et moi même toujours dis ça. Nous gon peuple qui est extrêmement passif. Nous gon peuple
c'est comprendre l'autorité, ça ou pas comprendre que le peuple haïtien pas exigeant quoi que ce soit. Nous pas un peuple qui est exigeant. Puisque bagay ki pi basique yo, si bagay de base nous pas bay moun yo et d'ailleurs nous moun yo pas même réclamer. C'est l'André Michel avec gros tête bien. Li te prend, li te incite moun yo prend la rue al boule caoutchouc al mettre barricade comme pendant que c'était avenir yo. C'est de ça nous te wete gen moun dans la rue. Yo. Nous te wete gen et peuple te prend la rue parce que yo pas te comprendre. Nous tellement gros peuple qui est motif. Moun yo pas comprendre ou vient avec deux trois paroles là puisqu'on parle et ou dit tout moun besoin manger, tout moun doit jeune manger, tout moun doit jeune éducation, etc. Ou geta comme chef de file soit attendez ou geta marcher derrière ou geta wow, ou ka président non li pas obligé comme ça. Donc qui ça koun ya ou vient trouver nos situation jodi an là ou vient trouver nos situation côté que nèg sa yo qui fin voler, qui fin piller qu'est-ce l'état pendant que yo pas jamais régler rien pour peuple là, pendant que yo pas jamais fait rien pour population haïtienne là, et puis ou pral wè c'est nèg sa yo qui gen non cap cité dans assassinat, c'est non même nèg sa aujourd'hui en là qui nan dilapidation, nan détournement de fonds publics et puis n'a pas accepté, on a gardé au danger. Moi même dis nous ça c'est fini. C'est fini. Bataille pour renouveau Haïti pour changement pays, il doit passer pour un réveil de conscience. Réveil de conscience comme citoyen haïtien, nous gagne droit. Nous gagne droit pour une éducation, nous gagne droit pour une santé, nous gagne droit pour une sécurité. Et d'ailleurs, sécurité en dedans pays, c'est premier bagaille. Peuple haïtien mandé. N'a pas un exemple simple. Qui ça gouvernement monté, gouvernement tourné, président aller, président tourné. Est-ce que j'aime une création d'emploi? Au moins qui te carré répondre avec besoin, avec préoccupation, 30% haïtien, 40% haïtien, jamais. Mais si nous baillons sécurité en dedans pays, malheureux, dans te mettre 1000 gouttes dans mail, faut na 1000 gouttes là bas, ton tila, là bas, on 10 têtes là, on 2 douzaines de magis, soit d'ailleurs, li gen ta faire commerce. Li gen ta gen espoir la rentrer avec un bagay. Neglan la pou un beau kit, la pa achete de bout de jus, li met un petit glace sou yo, bien achete yo tout faire glace, la brasse la rien. Mais je dis tellement insécurité à faire rage, tellement problème yo multiplié par 100 en dedans pays, koun ya kidnapper. L'autre kidnapping qu'on a fait sous figi, sous notoriété, sous nom XYZ, je dis un kidnapping n'a pas gen classe, li pa gen rang social, li pa gen rien. C'est ça rejoindre, c'est lié au ça rejoindre, c'est lié au. Donc qui comment monde va vivre dedans pays ça, qui soit qu'à faire dedans pays ça. Donc haïtien pas vivre, nous sommes paquet et mort ambulant, nous sommes paquet et zombie, pas paquet zombie, mais au moins si nous des zombies rebelles, si nous des zombies rebelles, au moins ça t'a fait sens. Nous zombies, aux zombifiés, nous malgré ça nous c'est des zombies qui soumis. C'est la zombie qui soumis. Parce que Jovenel Moïse mourit. Mais bien avant yon assassiné Jovenel Moïse, t'es gon paquet flèche qui t'a tiré et dans différents secteurs politiques, clans politiques, etc. Mais, gède révélation que Jovenel Moïse t'a fait, qui au moins t'a alerté nous, qui t'a mis nous sous des pistes pour nous comprendre que gon groupe nèg de pays, hein, youn plus puissant que l'autre, qui a des intérêts économiques, voire politiques même, pour empêcher le pays à développer. Jovenel Moïse, l'intention c'était quoi? L'intention c'était rallier la population, bien un groupe dans la population, avec elle. Parce que les gens travaillent dans le sens côté que Jovenel Moïse est venu populaire. Nous tous comme ça. Et Jovenel Moïse même, à force que la population tape tant de résultats dans le monde, yo t'attend à ce que projet et campagne promesse de campagne li ont été réalisé. Yo rive sous 4 années de mandat, rien pas jamais fait vraiment, rien pas jamais fait de manière et consistant pour ta wè dans domaine éducation, l'école, c'est bon gens éducation, bon gens l'hôpital et un paquet de gros projets. OK, un paquet de projets qui fait ville de province, un paquet de routes qui commence, un paquet de routes qui fini. Mais, je dis en là, on garde la réalité. On garde la réalité par rapport avec des séries de projets qui ont commencé sous Jovenel Moïse côté. Yo continue, Ariel Henry continue. Pas grand continue. Pas grand qui a fait là. Centrale électrique qui pou te à l'inaugurer, côté li.
Kote li, si le fond même nèg yo après aller tout et moteur yo y a vendu yo. Parce que nous connait avec qui est nous en a fait dans pouvoir ça. Nous connait avec qui est qui a dirigé, qui est qui a coupé, qui a racheté dans pouvoir ça. Ou pas qu'a dit mon nèg qui a volé d'el coin deux dans l'état aujourd'hui, qui ministre planification, ou pral dit que tout est bien, tout est rose. Non. En tout cas, nous connait dans qui pays nous vivons, nous connait qui société nous gagne. Nous connaissons dans qui condition yo assassiné Jovenel Moïse et nous connaissons tout qui condition qui réunit pour empêcher à ce que vérité en bas jambe prend la rue. Donc on pas qu'être monde jodi en là qui a posé des questions par rapport est-ce que Jovenel Moïse a besoin de justice? Est-ce que monsieur Sao qui soutient bail là pour extradition est-ce qu'il a atterri en Haïti? Donc moi-même vraie réponse. Ça doit connaître ce que jodi en là, c'est pas seulement clan PHTK, c'est pas seulement clan Ariel Henry, c'est pas seulement des hommes puissants de la communauté internationale du corps groupe et des hommes puissants dans le monde des affaires qui ont des intérêts à ce que tout le monde qui est impliqué dans le dossier assassinat de Jovenel Moïse aurait été dehors. Tout le monde qui est impliqué, qui te connaît, qui a été dans le sac passé, aurait été dehors. Et s'il le faut, yo ta éliminé yo tout ça qui doit faire la fête parce que vérité sur sacrifice Jovenel Moïse groupe moun ki connaît là yo connaît déjà groupe moun ki planifie là yo connaît ça planifié déjà groupe moun kap caché là yo connaît pour qui est-ce y a caché et groupe moun jodi an là yo paye pour troubler opinion publique là yo paye pour vinn ba ou des informations kap fò troubler kap fò douter etc. Yo konnen pou ki rezon yo la. Donc ou même c'est ouvrir tête ou c'est ouvrir l'esprit ou comprendre ça k'ap di yo, cerner ça k'ap di yo en façon pour sous bonne ligne nan sous bonne voie. Et kon l'autre bagay pour nous comprendre. Nèg sa yo ki paye assassiner Jovenel Moïse, si yo gen l'argent pour yo monter un complot comme ça un coup comme ça, c'est garanti que yo gen l'argent pour yo payer moun la réserve nou. Pour yo payer moun brouiller l'esprit nou. Pour yon paye moun vin trouble opinion publique la. Maintenant, c'est ou même qui pou kon so pral pran comme information. C'est ou même qui pou konne qui so pral trier comme information, qui so pral jeter comme information. Parce que jodi an la, tout moun gen dossier nan men yo. Tout moun kon sa k te passé. Tout grand directeur d'opinion kon sa k te passé. Mais pour qui ça yo kite Jovenel Moïse assassiné? Pour qui ça tout moun sa yo jodi an ka vin dou yo gen tel acte, tel scoop, tel vérité, tel et parti dans dossier etc. Pour qui ça? Pour qui ça yo te quitté ou assassiné Jovenel Moïse? Et m'bra aller plus loin avec nous. Tellement nèg yo gen l'argent. Comment m'bra expliquer m'jodi an là New York Times uni, yo interrogé, yo interviewé et 5 dans colombien yo et puis colombien ça yo pral vinn di que et yo pas konn ça passé, c'est dans piège yo prend yo même yo innocent. Donc le colombien yo t'a vinn en Haïti, le yo t'a mandé yo pour utiliser service yo c'est dans piscine. C'est terre yo t'a vinn passer, yo t'a vinn payer yo pour vinn faire belle peau, vinn jus de soleil dans pays qui ça même. Moi m'envie qu'on aime besoin de détails. Parce que là li évident même le yo t'a relé nous, yo t'a payé nous. Nous t'a gain 2 mois, 3 mois. Avant assassinat Jovenel Moïse en dedans pays, yo te paye nous pour nous faire job personnel, sécuriser autorité et sécuriser bien moun, entrer dans dossier, alver tête etc. Mais Haïti pas en savane. Haïti pas en savane, même l'ordre de orer le pays de merde, tout de merde etc. Haïti pas en savane, c'est parce que autorité pas fait travail yo. C'est parce que nous avons un groupe nègre dans le pays, c'est des intérêts économiques, intérêts mesquins, un petit groupe moun qui pas gagne rien pour avec yo, c'est ça y a défendre. Donc qui fait nous là aujourd'hui, qui fait aujourd'hui on va parler de Jovenel Moïse ou obligé de dire un président yo assassiné. Est-ce qu'on comprend l'idée? Donc même gens yo ka paye mais je n'ai rentré dans le pays, c'est même gens yo ka paye des séries de médias, des séries de moun dans le pays pour ba ou des informations qui pral troubler ou. Parce que l'on veuille ou non, mercenaires sa yo, colombiens sa yo, yo rentre dans le pays avec une idée toute faite. Yo gen un objectif, yo gen un but. 7 juillet, yo atteint, c'est fini. Maintenant, pas gen yon fait qui pas gen conséquence. Pas gen yon fait qui pas gen conséquence. Faut que monsieur yo prépare yo pour yo subir conséquence yo.
Ou pral mande koman l fete yo si fasil pou yo te arete mersenyer sa ou pou yo te joun mersenyer sa. Ou bien se sa, oui. Ou bien se sa. Nan tout komplo, nan tout piège ka fèt, tèt pansan toujou kon denye zèl kat nan mel ke l pap jam ki to konnen. Li pap jam ki to konnen. Se sûr ke mersenyer pa mwen ki eske ki te employe yo. Ap gwen intermedyer, lò pran James ou la Joseph Vincent, son intermedyer, yo konnen ou la se direk ki gen ant pasteur, mba konnen citoyen sa Emmanuel Sanon. Men sa s'arrête la. Emmanuel Sanon li menm li pral konnen ki relasyon te gen avèk on lot ki beaucoup plus haut, moun sete yo. E pi sete yo li menm sa ka rive l rete la. Sa ka rive l rete la. Donk, nan echal sa, nan relasyon interdependant sa, servo, vre tèt pansant lan. Li difficile pou yo konn ki es li. Nou tout ka gon ide. Men moun nan ki paye réellement, moun nan commandité, moun nan planifie l konn ki es li. En tout cas, entre-temps y a fait peuple en fait corvé, gouvernement faut faire corvé, communauté internationale faut faire corvé, clan Mateli faut faire corvé. Tout moun pran nou pou makak. Men m'ap di nou ça jodi an peu haïtien nou pa makak. Pa gen nèg encore pou nou tolérer vin kale fig maintenant men. C'est fini. Ouh, parole yon pile, oui, en dedans la République. Parole yon extrêmement en pile. Avant de passer dans la deuxième partie émission pour jodi, hein? Parce que jodi en son émission bataille. Ah. Clan Mateli et clan Jovenelist, nèg yo a bataille sous toute forme. Le bataille là, il pas fait de manière politique, de manière ouverte. Qu'on y a bataille là, il fait sur le plan juridique et diffamation, ça c'est diffamation, ça a fait contre-attaque pour le dou lui-même, il campé d'elle. T'as changé. En tout cas, moi-même là pour m'informer nous, là pour m'aider nous comprendre ça qui a passé et faire des projections avec nous sur les temps à venir. Bon, tout dit nous ça. Je dis en là encore. Ma bye 5 amis minutes. Plus minute à recharger téléphone 5 amis. Yon pose une petite question bien easy, une question facile mes amis. Oh! Nous prenons tout le temps ça pour nous répondre. Petite question. Des amis qui dit petite question paraît niais, mais c'est côté niais à la question et qui fait l'intéressant. Et malgré question son question et en question piégée, mon paquet d'amis moi qui tombé. Par qui pas supposé comme ça non? Qui date cap 25 décembre? 25 décembre, m'a dit nous qui jour cap 25 décembre. Si m'était dit nous qui jour, t'a dit samedi. OK? Mais c'est qui date cap 25 décembre? 25 décembre à 25 décembre, aussi simple. OK? Bien. Mais je dis là, m'a dit une petite question pour nous bien easy encore qui ca toujours niaise, mais qui permet tout bénéficier mine sur téléphone pour les familles pour participer avec dans l'émission. Et comme ça, on a prêté connecté. Avant même de rentrer dans la deuxième partie de l'émission, là, m'a profité, souhaiter une joyeuse fête d'anniversaire avec les fanatiques, nos supporters, nos amis, nous, dans l'émission Emmanuel Etienne, qui a fêté. Yo nouveau printemps jodi a. Frè Pam, m'a souhaite tout bon bagay. Yo continue sous ligne positif là. Sous même lancéan pour réaliser de grandes choses et c'est sûr que nous fiers de ou émission mon éditorial fiers de ou toute équipe là campé d'ailleurs jodi a là. Boué avec contrôle, pas fait des ordres. Profitez de jour, profitez de journée ou de après-midi, ou continuez fait ça fait qui bon yo. Non, émission là, je dis, hein, m'a profité et lancé ti alerte ça pour que exami ça ou c'est des fans inconditionnels l'émission. Gros paquet. L'histoire tellement longue, mais je dis, m'a commencé avec mon ça parce que pas qu'un projet pour nous supporter. Mesdames, yo pour nous supporter en sans famille là, pour nous bailler sous plan, porter sous plan dans chaudière et puis pour moun sa yo pour m'attendre yo. Ça jamais. Donc là bon, nous déjà connaît et plus minute lui-même, c'est ça fait pas nous. Donc et monsieur Saint-Fiosi, faut commencer vinn di moi combien zanmi, combien fami qui pral gen chance bénéficier minute sous téléphone yo là pour fin année. Pour commencement fête là,
Combien de familles tout pral permettre pour yo préparer sous plan pour yo boire sous jumon 1er janvier. Ça me pas négocier, me pas négocier. C'est seulement un gars David et faut participer parce que famille a tant nous vinn di moi combien enveloppe on bail combien famille on bail 2500 goods très basique. Donc il faut nous contribuer ensemble. Zami Pam za fait Pam et Richard et docteur James Joseph vous connaissez déjà. Comment équipe la Raymond, comment fanatique mon éditorial yo apprécié. Love in participer avec une émission mes amis, il faut nous encourager moun yo, faut nous accompagner moun yo, faut nous monter solidarité avec famille yo. Et vinzim combien enveloppe nous kabay. Objectif là c'est rivé mettre sous jou moun nan 100 chaudier, la caille 100 moun, 100 femme. 100 moun ka vive en Haïti précisément. Donc bay piti pa chiche, c'est pas bay même nan ki di ki choy. Et Grégory zami pam, ça fait pam. Pa gen danger, m konnen n'ap répond présent. Jean-Claude Basile, malgré malade et on quatre famille. Pas plus ça. Donc mes amis m'attend nous pa gen jour ki rete encore et fête là. Li rive sou nou jou yo a pa avanse sou nou fòk nou pense fòk nou planifye bagay yo le plus vite que possible ou même pas cité non ou déjà konnen projet a la pa fè jalousie m pa nan kesyon jalousie avec quiconque. OK, jalousie en baladan c'est solidarité liée, c'est fête liée, fòk nou prepare nou. Mwen bien question là, question pour 5 moun yo, 5 zanmi k ap gen chans bénéficier minute avec plus minute jodi an la. On ti question bien easy hier nou m pose on ti question bien easy jodi an la on l'autre ti question pi easy. OK. Nous toujours tendez au dit Jésus fête dans mois de décembre. C'est pas vrai? Jésus fête dans mois de décembre. Eh bien qui joue là même? Au compte joie? Qui joue Jésus fête dans mois de décembre là? Malheur avec nous si nous pas répondre question. 5 premières réponses c'est 5 moun sa yo en bas chat live là bien entendu, c'est 5 moun sa yo k'ap gen chance, k'ap gen possibilité pour yo bénéficier minute plus minute pour aller recharger téléphone yo. Moi t'ai déjà annoncé le bataille là il a continué entre Sofia Martelly et Esther Antoine. Et bataille ça il pour l'autre dimension, il changer phase. Un groupe avocat dans barreau Port-au-Prince. Nèg influent, nèg qui expérimenté, yo même yo choisi pour yo assister Esther Antoine dans bataille ça, dans combat ça. C'est pas seulement et on simple sommation que Sofia Martelly t'a fait. Il t'a exigé à ce que Esther vienne demander le pardon. Publiquement pour Esther t'a dit que c'est menti, il t'a fait sous lit, ça elle t'a dit c'était menti, déclaration le fait dans New York Times, il y a pas de vérité etc. Eh bien ouais, avocat Esther Antoine Campedel, Rinal Luberis Campedel, Laurent Lamotte Campedel. Kou nye ou kite question simple attaque personnelle Sofia Esther, kou nye ou pral tombe non bataille politique clan Jovenelista avec PHTK. Et ça lié. C'est ça lié. Parce que qui ça? Qui ça krive? Nous te attend que Sofia Martelly li dou li pral pote plainte contre Esther en diffamation puisque di Esther fait menti sou ou pas dit ou pas parler ou pas gen ke causer ça ou pas gen relation ça avec Esther Antoine. Mais jodi là Esther Antoine li assume li pare pour le dire devant un juge, li pare pour le dire devant un commissaire du gouvernement et le pire dans tout ça, kounya c'est lui même qui somme directement Sofia Saint-Rémy Martelly. Donc ha, femme nan gen femme nan femme ni. Ou pa ka di m jodi a la on a quand Jovenelista, ou pa ka di m ou se moun Renal Luberus ou gen la mot avou et puis ou pral peur. Ou gen clan avocat sa ki campé derrière ou pral peur. Kounya nou wè bagay, nou wè dossier yo, nou wè problème yo. Parce que tout ça qui vient en dedans dans paysan, li est chaviré non zin politique. Tout ça qui a passé en dedans paysan, li rattaché directement avec des intérêts politiques. Bon, qui ça t'a dit que qui ça t'a dit pour monsieur dame PHTK ou t'a prend Jovenel Moïse comme binyen yo, comme ti moun qui est avec eux, c'est dérespectant. Qui ça t'a dit que jodian pour parler déclaration Sofia Martelly ta fin fait pour ta
pour ta comprendre que pour ta comprendre te ka gen pardon qui vient demander alors que qui est ou pas attaquer clan Jovenel là. C'est normal jodi pour bagay la changer phase politique, c'est normal pour pral wè allié Jovenel Moïse yo koré Esther Antoine, c'est normal pour Esther Antoine gagner et clan avocat ça qui expérimenté, qui puissant, qui jodi a décidé assister, c'est pas un jouet. Parce que là directement déclaration ça qui fait là yo gon nou kabayo. Puisque Sophia Dou c'est diffamation et diffamation c'est menti pas de bagarre comme ça que tu dis etc. Li fait on connait pour qui ça li fait parce que li connaît directement et attaquer Esther Antoine c'est attaquer clan Jovenel là. Puisque clan Jovenel là yo font ensemble de déclarations by New York Times qui indexe directement frère li qui concerne Rémi dans l'assassinat Jovenel Moïse dans la corruption comme monde qui t'a téléguidé pour voir Jovenel Moïse. Donc c'est normal. C'est normal, je dis, pour madame la furieuse, pour le pousser zèle, pour le pousser con. Parce que, relation frère avec ça, yo. Et bah, pitié, bah, jouette, non? Fils, ça va négocier frère. Même ma mari, il va négocier frère. M'a besoin d'eau. M'a besoin d'eau pour Esther Antoine. Et t'as ce côté de sortir, qu'on y a là même, non? Pour nous dire, ou t'as vu, New York Times, un paquet de déclarations. Et y a l'autre monde toujours, oui. Y a l'autre monde qui te by New York Times déclaration que clan, Martelian. Yo programme pour attaquer yo là, oui pour sommer yo. Parce que moun sa yo fait tout ça yo connaît pour yo cacher vérité, pour yo tout fait information ça yo k'ap circuler dans New York Times. Maintenant pour qu'ils soient pas attaqués directement ou pas sommer directement et moun qui écrit article là. Pour qu'ils soient pas ou pas sommer rédaction New York Times ça pour qui ça? Parce que on dirait et tout ce qui est d'intérêt international, là, après New York Times, gros média, gros journal américain, et clan ça, yopel, mais c'est haïtien pareil, nous, et nèg tèt gren pareil, nous, et compatriotes, nous, c'est souli, nous, gen dans nos filets, c'est souli, c'est eux même nous voulons attaquer, etc., mais ben, yon pas fait comme ça. Et bataille ça, li gen deux aspects là-dedans, li bon, on bon. Parce que nous dans situation côté que you n'a plongé droit sous l'autre nous wè en bas tout monde nous wè que nèg sa yo c'est eux même qui craser pays hein c'est eux même qui gagne plus intérêt pour payer pour kembe pays en instabilité pour kembe pays en insécurité pour kembe haïtien en misère et là parce que yo gagne des intérêts économiques yo gagne quoi gang yo gagne groupe et mafia en dedans pays hein donc yo gagne tout intérêt mais en l'autre bord tout pas bon pour pays hein c'est plus instabilité. C'est plus problème politique qui a généré, puisque clan ça c'est eux même qui toujours mettez moun sous pouvoir, c'est eux même qui toujours choisi ministère, qui choisi directeur douane, qui choisi des points stratégiques en façon pour toujours gain contrôle. Donc essayez comprendre. Donc si là nous pas fait tête nous travail pour nous derrière assassinat Jovenel Moïse depuis 7 juillet pays ça li gon chaleur dans li gon bataille de clan qu'a fait la dedans et même Jean pi devant nous connait ça pas arriver pi devant même moun sa yo qui t'ai participé avec pouvoir matériel dans gargote dans vol l'argent près au caribéen yo pral venir avec des dossiers sous table pour yo dou mais comment l'argent était détourné maintenant qui compte en banque était allé mais qui est-ce qui t'ai bénéficié parce que qui ça arrivé nous est clan qui gagne la mort là dedans là. Clan ça li déterminé pour le fini avec clan Martelian, clan PHTK. Parce que bataille là, son bataille non seulement son bataille politique, mais son bataille de loyauté, son bataille de trahison li. Ou pas loyal, yo considéré comme un traître, et ben y a fini avant, y a bataille avant jusqu'à la dernière victoire. Maintenant victoire ça qui est-ce qui pral prendre sous qui est-ce? Est-ce que c'est peuple qui a toujours au milieu? Est-ce que c'est peuple qui a toujours victime? Est-ce que c'est nous-mêmes qui a toujours payé podcasté yo? Parce que je dis là nèg fin assassiner Jovenel Moïse, nous on paquet nèg qui prend frime. On paquet nèg qui relait tête yo pour la plupart Jovenelis, on paquet nèg qui toujours prend devant pour y a poster réalisation et quelques décisions Jovenel Moïse te prend. Et puis il faut comprendre que yo là y a bataille quad bois quad fer pour Jovenel Moïse en justice. Moi me dis non. Non pas vinn kite aucun nèg prend frem zo assassinat Jovenel Moïse la même. On nèg ka toujours essayé. On nèg ka toujours tenté, mais n'a toujours dénoncé pour comprendre pour connaître. Parce que ça crive Jovenel Moïse là.
Tout camp a besoin d'utiliser pour la prochaine élection. Tout le monde a besoin d'utiliser pour matérialiser l'intérêt politique qu'il y a. Tout le monde a besoin d'utiliser pour montrer que Jovenel Moïse a fini assassiné, mais il y a des gens qui paraissent pour continuer à battre Jovenel Moïse. Nous ne pouvons pas voter par émotion encore. Peuple haïtien, suspend voter par émotion. Suspend voter parce qu'on est prêt à le faire que Jovenel Moïse finit, il finit assassiner Jovenel Moïse, mais lui-même est prêt pour mourir, Jovenel Moïse mourir. Non. Non. Nous prenons nos batailles pour gagner transparence dans l'État. Nous prenons nos batailles pour gagner transparence sous scène politique. Nous prenons nos batailles pour nèg sa yo ki dou jodi an la, yo paré pour yo bataille, pour yo camper en face clan Matéli, en face clan Ariel Henry, en face secteur démocratique populaire pour yo faire la transparence, pour yo faire pour peuple en a bataille dans intérêt peuple vrai. Pour yo faire pour yo montrer que jodi an vrai perdant ces peuples là, yo camper en face peuple, yo poser des actions concrètes que peuple haïtien bénéficie. D'autant nèg pas vini pour yo poser des actions côté que ou est éducation, c'est priorité yo. Pour est santé yo, c'est priorité yo. Pour est sécurité yo, c'est priorité yo, nous pas besoin croire parole yo. Bonjour, pas besoin la vérité parce que nous rentrons dans côté que les matériels viennent au dou, nous pas prendre un nègre intellectuel encore, intellectuel pas réglé rien. Il faut comprendre ces nègres qui disent bêtisant, ces bêtiseurs, ces nègres qui prennent toute la journée, qui sniffent cocaïne toute journée, etc. Ces bandits légaux, c'est un vel, nous prenons grande chance. Nous prenons chance en vrai. Émotionnellement, nous prenons chance et puis gardez côté chance en mener nous. Gardez côté chance en mener nous. Quand pas que haïtien je dis là, il y a par exemple Chili avec Gabriel Boric avec 35 ans seulement qui est élu président Chili. Mais bon dis non. Le Aristide devait premier mandat, les 36 ans il te gagne oui. C'est pas en question aujourd'hui ces jeunes qui sous pouvoir, sont petits jeunes qui prend pouvoir au Chili. OK? Gabriel Boric nous est là. Boric ça depuis en 2011, il député dans le parlement chilien. Est-ce que nous comprenons? Son travail politique qui fait, son travail comportemental qui fait, son travail social qui fait, pour le rapprocher de peuple chilien, pour le rapprocher de jeunesse chilien, pour le rapprocher de monde qui croit dans la politique au Chili, de monde qui croit que yon jeune qui a réalisé de grandes choses, mais avec des idées, avec des projets, avec des solutions. Ce n'est pas causer 35 ans, 25 ans. Non, 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 non. Toutes bagailles sont question de travail, sont question de projet, sont question de réalisation. Qui sont réalisés l'autre là comme député? C'est pour ça que je dis au peuple chilien, il prend chance avec Gabriel Boric. L'autre député, il était participé dans des projets qui permettent à ce que la vie chilienne change. Jodian la yo prend chance avec elle, yo mette elle comme président parce que yo croit dans travail li, yo croit dans projet li, yo croit dans réalisation. Mais à 36 ans, le Aristide de président, qui ça nous est? Qui ça nous est? Aristide font premier mandat 36 ans, il font deuxième mandat, c'est Gilles Brett li gagne seulement, li créer rat pa kaka, yo commencé avec gang armé en dedans pays hein, et puis jodian la, jodian nous tellement émotionnel, qu'on y a on dirait que n'a cherché ti jeune qui gagne 35 ans. Pour nous voter, pour nous dire à Haïti qu'on président qui a 35 ans, ou bien s'il le faut, même nous mettons le plus bas. Donc, nous n'avons pas fait comme ça. Si côté émotionnel, si travail émotionnel, nous n'avons pas jamais quitté derrière, il faut que nous commençons à finir avec elle. Il faut que nous finissions avec elle parce que nous n'avons pas utile en rien. Nous prenons des démagogues, nous prenons un bluffeur, nous prenons un assassin, nous prenons un bandit légal, nous prenons. Jusqu'à date, nous n'avons même point mort. Nous n'avons point zéro. Donc, vraie bataille, c'est une bataille pour changement. Et comment changement ça, nous ka vraiment acquérir? Comment changement ça, nous ka vraiment réaliser dans le pays? C'est poser bonne action. Considérez tout son haïtien authentique. Préparez-vous pour bataille pour pays. Préparez-vous pour défendre pays. Engagez-vous dans la bataille. Engagez-vous dans la bataille pour changer. Pas gen route pas bois non pas gen route pas oublier mes amis pas oublier projet à là objectif là li là c'est aider 100 femmes parce que moi même connais ces femmes yo plus qu'on fait manger donc c'est 100 femmes nous pral porter sous jour mon 1er janvier à la caillou dans chaudière yo
Donc, n'importe gens ça écoute que coûte ou même qui ca aider ou même qui ca venir participer avec dans projet ça pour nous mettre un sourire, pour nous mettre un petit minimum de contentement, de bonheur dans mitan sans famille. La caille sans femme, dans chaudière sans femme, n'a fait les déjà, il y a plusieurs amis eux même qui participent, qui partent, qui répondent présent avec projet a, gagne qui dit y a bail 4 familles, gagne qui dit y a bail 5 familles, gagne qui dit y a 2 monde, gagne qui dit c'est un seul monde parce que l'objectif là est clair, c'est 100 familles là pour aider à raison de $500. 2500 goud, on a dit que 2500 goud là ouais well, trop petit, mais 2500 goud là, dit wa bail en famille. Possibilité pour le fond petit soupe, acheter un petit jambon, un petit chou, un petit spaghetti, un petit macaroni, un petit viande pour le préparer soupe là, l'a content. Donc ou même qui veut aider ou même qui ca aider, soit aider 2 monde, soit aider 5 monde, soit aider 10 monde, soit aider 100 monde dans tout, m'a dou bienvenue. Numéro 1 c'est 38 96 38 19, li pas changé. Nous fait déjà, nous qu'on fait déjà, n'a continuer porter solidarité avec compatriotes frères sœurs nous qui vivent en dedans pays. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel Paul là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.